devant le Seigneur. Amen. Est-ce que Kamara t'a dit mon petit chini à ton marque de vie comme là? Ça nous regarde. Qu'est-ce que t'as dit? Vraiment, mon petit peu la mise. J'ai dit ça, un beau marque de vie. Une expérience chevalière, hein? Vraiment, mon petit peu. Vraiment, beau marque de vie. Parce qu'il a même le chien de la force. Amen. Du lévi là-haut et du décrété qui était pour nous ce matin. 1, 2, 3. Ça, c'est la vie, c'est la parole de Dieu. Pour vos ennuis, pour vous calmer, pour vous préparer. Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, la prochaine n'existe plus pour en dire, pour en la fin pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez béni ce matin? Amen. Amen. Maintenant, un sujet qui vous permet d'adresser Dieu pendant la semaine. Toute une semaine, je me dépose ça. Mon Dieu, Seigneur, mon content confirme le message qui Dieu de moi. Le matin, il est confirmé. Hier, il est confirmé. Une semaine, il est confirmé. Parce que vous avez envie de partager un sujet aujourd'hui. Nous prenons la Bible, un livre de commencement, le livre de Genèse. Que dans le tapis, c'est pas prêt dans l'Apocalypse. Donnez-nous un commencement. Et vous tenez à vous dire que. Tout ce qui pour commencement vous mine à la fin, le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui était au commencement, il faut répéter encore. Genèse chapitre 1, le verset 3. C'est plutôt, on peut lire beaucoup de la Bible. Heureusement pour vous sur la parole, préparez-vous pour faire de la vie parce que tout ce qu'il faut vous dire, nous pouvons le savoir, c'est là que ça capable de tenir dans la vie. Amen. 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 Genèse chapitre 1, le verset 3. Amen. Amen. Je rappelle la lecture. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je dis à Dieu merci pour ce parole. Papa, me louez toi, Seigneur Dieu. Papa, me dites en merci pour de la grâce, de l'amour. Me priez toi, Seigneur Dieu, aujourd'hui pour de parole. Seigneur Dieu, m'amène tout ma pensée captive à l'obéissance de ta parole. Le livre de 2 Corinthiens 4, bien nous comme cela, qui nous paraît aveuglé par le Dieu de ce monde, nous cache tout mon aveuglement. Seigneur, nous prions dans every spirit to be awakened in this place, in the name of Jesus Christ. Papa, nous prions pour le divin qui vous descende, de la gloire qui vous manifeste, la vie de sa peuple là, par vous parler, et nous prions, Seigneur Dieu, qu'il y ait un changement qui te pourvienne dans une vie, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Et le Dieu vient. Amen. Amen. Nous gagnons de place. Nous gagnons de place. C'est un beau jour que Dieu vient créer la terre. Et la Bible tient nous clair que la terre était informée. Mais après un moment, Dieu vient nous créer. C'est-à-dire qu'il recrée la terre. Parce qu'il nous vraiment croit que la terre partit dans l'ornée, qui vit. Mais ce qui me dit aujourd'hui, arrive un moment que Dieu vient, Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Arrive un certain moment maintenant, Dieu vient dans notre chose et Dieu commence à faire une création. Mais Dieu arrive le jour, il crée l'homme. Il crée un être semblable à lui. Il dit, créons l'homme à notre image. Vous êtes d'accord? Quand il crée l'homme, il soufflait dans les narines de l'homme. L'homme devient un être vivant. Et il donne l'homme une spécification. Il dit à l'homme comme cela, l'homme, te venez qui te fait, toi aller, te en sens, pour donner ta dominion l'eau sur la terre, là, te pour contrôle la terre. Là, quand l'homme commence à contrôler la terre, il y avait tous les animaux, suivez-moi, je comprends que je peux vous dire, il y avait tous les animaux vers l'homme. L'homme, à l'époque, si vous avez dit après, environ 6000 ans de cela, il trouve un lion, il appelle lion là, lion. Il trouve un girafe, il appelle ça un girafe. Il trouve un oiseau, il appelle ça un oiseau. Il trouve un oiseau boule-boule, il appelle ça un oiseau boule-boule. Il trouve un kangourou, il appelle ça un kangourou. 6000 ans passés, lion se nomme les lions. Lion se nomme les lions, pas de sensé. Si un scientiste ressent ça, il va être capable. Et aujourd'hui, mon vice, plus de temps d'affaires,
Dieu, quand il vient causer que la lumière soit, la lumière fut. Il vient transmettre sa même l'autorité là à l'homme. Et si vous avez envie de mettre un nom avec ce message là, vous pouvez dire l'autorité qui nous l'a lancé. Et aujourd'hui, mon vie porte un affaire. Trois points qui nous vous touchent. Premier point qui nous vous touchent. Comment nous vous servir efficacement de la lampe. Deuxièmement, qui m'a fait, il ne fallait pas nous faire. Troisième, nous avons une conclusion à cela. Mais la chose qui m'a envie de porter avec vous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous est réalisé, tout ce qui nous causait, nous paraît comme un bon Dieu, nous amène à l'existence. Mettez ça bien dans ce côté. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu vit prend son autorité, il donne-nous sa autorité là pour nous continuer le travail qu'il vient faire pour nous, l'eau sur la terre. Je te comprends, moi? Ça veut dire que l'homme qui dit ça, les animaux là qui appellent lion, suspendant de cela, ils ont dit ça, non là, il y a encore la même parce qu'il réalise l'autorité qu'il faut dire donner. Suis-moi. On va pour trop rentrer en détail, mais mon envie de passer un message. Et mon envie, ils ont dit qu'ils ont réalisé qu'il y a pourtant du cône la puissance qui Dieu qui dépose l'eau ça, la langue là. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Nous, il y a une puissance. Dis-moi, il y a une puissance. Maintenant, il y a une petite chose, c'est que nous bisons faire. Première petite chose qu'ils m'ont envie d'élaborer, qui m'ont fait bisons frère, vous pouvez dire, moi, il y a une puissance, mais vous vous posez une question, qui vous fait cause l'eau ou la vie tous les jours? Bon, seul à vos conclusions. Bon, je donne un code. Une cotation, garde ça, bien dans votre tête. Mettez dans votre poste, d'aller dans vos webinaires là dans la définition. L'idée, tout pour être ce qui te prononce dans de la vie. What you speak, this is what you will be. Ce qui te cause dans de la vie, c'est ça qui te bouvine. Nous réalisons une affaire. Dieu vient de nous en la langue pour prononcer quelque chose dans nous la vie. Maintenant, tout qui chose que la lumière soit et la lumière pas fin vini. C'est un petit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Que la guérison soit dans vos égos et la guérison. Allez, quoi ça, moi? Où là? Qui vont viser être béni et la bénédiction? Nous disons qu'on est qui nous fait prononcer dans nous la vie. Vous êtes amen? Ma parole, je vous m'avais dit, je vous avais dit, tu es un bourri et le bourri. Alors, je ne sais pas avec vous, moi, tiens. Tu es un mauvais enfant et le mauvais enfant. La première chose, c'est que nous bien connaissons. Mon vie explique ça une petite chose. Suivez-moi. La chose qui m'envie explique ça, qui est un pouvoir et une puissance, l'eau salade là. D'aller nous voir, nous pouvons entendre des détails, pas qu'un tracas, nous pouvons entendre une jolie croisière, nous pouvons aller, Dieu permet, pour pouvoir expliquer beaucoup de choses. Mais ce qui m'a envie, c'est dit explique ça. Faire ce réaliser, causant ce penser à ce qu'il y a là, qui ça la langue en pouvoir. Vous en vous connaissez? Allez, n'agissez. Le livre de Proverbe 18. Nous ouvrons la Bible. Vous pouvez asseoir tout sur la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 21. Tant que je veux dire que la vie, qui vous fait causer? Non, moi, pas cause, non, ni moi, cause ça qui vous fait tous les efforts au nom de Jésus-Christ. Appuyez-vous sur la parole. Si un jour vous présentez aux paroles, personne ne va écouter moi. 18, verset 21. Vous regardez à l'île, ce qui fait clair et clair, pour que je ne détende. Le livre de Proverbe 18, le verset 21. On vise de tout lire à l'île du tout ensemble. Parce qu'il nous vient réaliser, qui ça la langue là, qui était ça. Le livre de Proverbe 18, verset 21. Vous pouvez faire lire? La mort et la vie sont au pouvoir de la main. La langue. Non, mais la vie, c'est comme ça.
Moïse. La mort et la vie sont au pouvoir des pieds. Non. De la? De la langue. Ok. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Oh oh. Et n'a dès qu'il tient aux ouvres là. Soit la vie, soit la mort. Fruit là, qui s'en a pour moi ça? Posez-moi ça. Qui s'en a pour moi ça, fruit là? La Bible qui dit celui qui l'aime pour manger le fruit. Ferme la vie, ça m'explique vos causes pour ma vie. Pour pas mettre l'eau dans moi. Vous avez une mauvaise nouvelle pour vous. Bien mauvaise nouvelle. Ça n'a vraiment une mauvaise nouvelle. Parce que vous la vie parfois dire pour pas pour vous ça. Bon, on dit pas sous ça. Si vous dites pour vous ça, vous dire vous bye bye. Vous pouvez vivre parce qu'il lit puis on dit qu'il vit. Si vous résistez à dire ça, et n'a plus, qui fait vous pouvez vivre? Ah, vous pouvez signer la terre, mais vous pouvez faire quoi dans la terre? Vous pouvez vivre parce que le Dieu des cieux qui trouve vous bon pour les survivre. Ou à l'immoradio, le matin c'était moins 5, moins 15, rien de la fait qu'avec ça que ça marche. À réaliser combien de monde finit à aller. Pour qui ou puis encore peut vivre parce qu'il y a une petite chose qui vous bise à accomplir dans la vie. Ça, la vie là n'a pas pour où ça, mais ça vient dans la tête. À cause ça, quand un démon suscite il y a dans l'enfer parce qu'il tient quelque chose qui part pour lui. Suscite, c'est un esprit qui couillonne un démon pour rien seul âme pour amener dans l'enfer. L'esprit de suicide. Il vient tellement oppressé ou pensé qu'il y refait ou dégoûte pour la vie. Et il y a un autre esprit qui mange ensemble avec lui. On appelle ça le spirit of hopelessness. Qui vous croit qu'il faut être pénant. Et avec lui, vous pouvez penser pénant qu'une solution. Non, il y a une solution. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ dit. La solution, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ tout seul. Dans ça, le monde qui fait pourri là, c'est Jésus-Christ tout seul qui vous donne la solution. Frère, on a envie qu'une chose arrive, c'est Jésus-Christ qui vous fait y arriver. On peut prendre un week-end pour faire mon avis, c'est Jésus-Christ qui vous fait y arriver. On peut prendre une solution à mon avis, ce n'est ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la divination, mais seulement le nom de Jésus-Christ qui vous fait arriver la solution. Amen. De ta main. Amen. Maintenant, qui est arrivé? Le pouvoir là, il ouvre la bouche. Vous allez prendre ça avec un week-end. C'est un week-end à payer un petit chose. Vous pouvez faire ça avec vous. Tu fais beaucoup du bien dans ce monde. Yon qui chante tous les grands matins, il priait, il parle des maîtrisseurs de Jésus-Christ, mon feeling est la guérison. Mais il n'est pas malade, on a posé quelque chose, mais qui fait, on peut dire ça. Il n'est pas malade, il m'a empêché un mot antibiotique. Il finit prononce-lui avant que ça arrive. C'est la même. La parole de Dieu, Dieu dit, au commencement, et le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole dit lui-même, bon Dieu. Quand on prend la parole, on cause. Quand on prend la parole pour causer, ça vit en réalité dans la vie. La première chose, c'est que vous avez commencé à causer à partir d'aujourd'hui, avant de rentrer au deuxième point. Vous avez arrêté de cause, tout le monde a fait des apôtres. Commence à cause la parole de Dieu dans la vie. Amen. Commence à prononcer bénédiction dans la vie. Vous pouvez trouver ça, on n'a pas fait sans eux. Trouve-le. Papa finit sans eux parce que la parole finit dire. Le fruit de vos entrailles finit béni. Seigneur, ça Michel là va faire sans zé. Seigneur, il finit sans zé. Cause-lui. Plus que comment des bisins causés. Plus maximum du monde, causé. Jusqu'à quand Chili peut dire comme ça, Chili. Quand Chili dit, mon pays, il doit me causer. Non, ne pas pour cause qui te rendait au cas, nous cause la parole de Dieu. Vous êtes même? Frère, avec moi, petite cause négative, mais non, il va arriver moi. Ok. Mais à chaque fois qu'il te cause négatif, c'est un fail de ton pied qui grigne. Pied là, pourquoi pourri là? Il faut pourrir un petit moment si vous continuez. Quand vous causez une petite chose, vous devez causer d'après la parole. Le livre d'Ésaïe 55, verset 11. Vos paroles retournent vers moi sans y accomplir ce défait. Quand vous causez parole, mon Dieu, y accomplit ce défait. L'eau, la terre, dans la vie. Causez la parole. Aïe, mon travail n'a pas facile. Mais vous-même, vous n'avez pas facile. Mais comment vous voulez plus facile? Non, il n'est pas facile. Nous ne sommes pas capables de causer. C'est pas seulement de rester à l'angle pour causer. Non. Il n'est pas facile. Mais avec Dieu, je peux tout par celui qui me motive. Amen. Comment se cause la parole? Dis-moi, bien cause la parole. Mettre la parole. À cause ça qui est important, nous mettre en face. Lire la Bible. Moi, j'essaie de lire la Bible pour avoir une connaissance. Connaissance qui nous pouvait avec ça. Non.
La Bible dit, si vous pardonnez-moi, la Bible dit comme cela, si vous mettez en pratique mon commandement, quelqu'un qui peut bâtir sur le roc. Mettre en pratique là qui est plus important. Le capable de posséder une connaissance, mais ne pas mettre en pratique, non, il ne faut pas le faire. À cause de ça, vous causez doucement d'outils. Quand vous causez, cause pour causer de la parole dans la vie. Si la conscience apparaît, aïe, mon père, manger, croyez-moi. Mais! Mon Dieu pourvoira mes besoins selon sa richesse avec le Jésus-Christ. Mon père, la case dans vos poches, mais! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Cause la parole, tu toi-même, dis à toi-même, mobilise, hein, cause la parole. Vous êtes la même? Maintenant, nous pouvons arrêter. Ça veut dire que nous comprenons. Hein. T'allais, comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons dire, nous pouvons prier? Monnaie qui se prononce en bénédiction dans une circonstance. Cause la parole. Aïe, frère, mon père, votre travail. Seigneur, te donne-moi le meilleur. Quand tu te dis, dire, celui qui cherchait pour gagner. Comment se cause les meilleurs? Pour ça, pour dire, lire ta vie. Dans ta vie, pour gagner ma promesse. Dans sa main, promesse, ça pour tini l'eau là. Ça même qui pourra mettre un PSC dans la vie. Donc, amen. Tout ce qu'on a dit avec cause d'amis. C'est qu'il faut qu'on ait cause d'amis. Bon, vous pourrez traiter avec cause d'amis. Bon, tu sais d'ailleurs avec cause d'amis. Amen. Eh bien, la première chose, c'est qu'il nous apprend de comprendre avant de vous nous disons cause bon causé. Donc, amen. Si vous ne faites cause bon causé, vous pouvez prendre un feuille de pied. Donc, par exemple, imaginez un joli pied rose. Quand on fait cause, mauvais causé, ça, pour cause, mauvais causé, un pétale grainé là-dedans. Exactement ça. Frère, moi, et ça qui est négatif, ça n'aurait pas arrivé. Non, non, pas arrivé ce jour. Parce qu'il sait qu'il vous s'aimait, c'est un mauvais côté. Ou pas capable de faire ça, mauvais qui tue, ou attendre un bon qui tue. Non. Ou bien ça, les bonnes choses dans la vie. À cause de ça, je vous dis tout le monde, au nom de Jésus-Christ, dans sa église, je demande avec beaucoup d'amour, cause pour causer. Dans toutes circonstances. Amen. Vous êtes amen. Je connais qui pour faire ça parce qu'il est là pour arriver minuit. Ailleurs, pasteur, vous la tête très mal. Qui vous fait la journée, c'est une cause beaucoup de votre frère. C'est mon envie, mon envie de faire ça. Et là, pasteur, bizarre téléphoner à ce pasteur, je suis pas capable de prier pour vous. Ici, je connais maintenant, dorénavant, vous connaissez qui vous pas fait cause pour causer, mon Dieu, mon reste mon lacard. Quand on décide pour ça, vous causez, c'est l'amour fini. Parce qu'à la vie, vous avez tombé. Amen. Amen. Faut pas faire ça. Je t'amène. Quand nous ne faisons pas de manière circonstance, cause des bonnes choses. Bon, pas me dire moi pour venir, moi. Gloire à Dieu. La deuxième chose, maintenant nous pouvons lire ensemble avec moi. Bon, pas que tu prêches comme ça, on a fait tout le temps expliquer. Non, 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 non. Nous pouvons lire. Si vous allez, nous restons jusqu'à tantôt. Mais je veux bien comprendre quand je vous sortir. Ok. Nous verrons le livre de Jacques, le chapitre 3. Le livre de Jacques, le chapitre 3. Vous pouvez lire tout doucement. Pour même quelqu'un qui ne peut pas lire, vous êtes capable d'entendre ce qu'il peut dire. C'est ça même? Je vais permettre moi-même de traduire un petit peu en créole pour que tu me entendes. C'est ça même? Amen. Thank you, Holy Spirit of God. Le verset 2. Point 2. Moi, t'en veux tout gagner. Je t'en veux. Tiens-moi pour apprendre quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme forfait. Capable de tenir du secours en bruit. La Bible tient-nous comme cela. Nous tous, nous sommes capables de faire manier. Mais si un dimoun capable de contrôler sur la langue, il y a un piquet qui est capable de contrôler sur tout ce décor. On continue. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Si nous pouvons mettre dans la bouche ces balles, celle qu'on appelle la reine, mettre sur la bouche, nous contrôlons l'île, nous contrôlons ces balles-là. C'est la Bible qui dit le verset 4. Mais voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, le verset 5 important, la langue est un petit membre, elle a une grande prétention. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
Oh, la langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrasse tout le pouls de l'existence, embrasée par la gêne. Le verset 7. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, des reptiles, d'animaux marins sont domptées et domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser, elle est pleine de vénère mortelle. Le verset 9, extrêmement important, c'est qu'il faut souligner. Avant de rentrer, beaucoup aussi en créole. Pour ça même la langue là, tu bénis le Seigneur, et pour ça même la langue là, tu maudis l'imam du monde. Pour ça même la langue là, tu bénis, bon Dieu, oh Seigneur, me louer toi, nous fais chanter tous les grands matins. Mais là, quand nous montons la casse, pour ça même la langue là, nous causons quelque chose qui est négatif. Oh, suivons. Je ne sais pas si un petit monde des ambassadeurs. Je vais prendre trois exemples pour se faire comprendre. Je ne sais pas si un monsieur ou une madame déjà qui a un problème dans un foyer. Monsieur là vient dire à madame là une affaire qui va bien. Soit madame là vient dire à monsieur là pendant une affaire qui va bien. Pendant environ 4 à 5 jours, ça risque de léguer à monsieur là soit madame là. Il prend ça tellement sérieux qu'il se foyer ne va pas causer. Il y a une raison spécifique pour les autres. Je ne sais pas qu'on n'est pas des points de travers, on peut expliquer. Dans tout foyer, et non, ça m'en a fait là. Pas dès que là, ou trop. Ouais. Et non, ça. Mais mon vie porte à ses affaires, rien de l'effet qu'il fait. Une parole qui a tué une famille pendant 4 jours. Et si pendant 4 à 5 jours, je ne pas de 5 petites paroles là, madame l'aide bien habillée, mais elle nous a dit que ça, c'est un nom là, tu as la Saint-Michel. Madame l'aide garde ça dans son équerre pendant 4 jours, il n'est pas pour causer que Michel là. Pendant 4 jours, pas peut gagner manger, frère. On peut gagner 10 riz bouillon, par son salé. Zis à cause, on a dit une parole. Si un patron dans le travail, il a dit une petite chose négative dans l'équerre. Pendant une semaine, on n'a pas de travail. Ce qui va peut ouvert ou liger, une parole capable de bloquer ou la vie même. Et du moment où une cause, une affaire qui n'est pas bizarre, ou capable pour, ou même pour la vie de prière de diminuer, on est bien, on est prié. Pourquoi? Il y a une puissance de sa parole là. Maintenant, on a besoin d'un timing, plus que camarade d'un timing, plus maximum d'un timing. À chaque fois qu'il y a une mauvaise parole, peut prononcer contre la vie, ou il y a l'autorité de briser sa parole là, dans la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Là, parfois, il n'y a aucun effet de. Vous rappelez que à l'école, vous avez dit, ça qui est là, ça a dit comme ça, ça a dit mauvais ça ici. Là, quand vous retournez, vous avez dit, donne-moi bien, ne passez pas une journée là, ou grandis avec ça. Quand vous venez dans l'adolescence, le diable vient des fois faire servir ou penser faire ou quoi, qui c'est qui vous était. Là, même avez dit, tu as perdu un pays d'enfants, tu as gagné, il mange ou des abandons. Les paroles, ils restaient tant qu'ils ne pas deal avec sa même parole. C'est ce qui nous pouvait donner. Nous vous causons bénédiction dans la vie. Et tout le monde, mauvaise parole qui quelqu'un qui prononce contre la vie, nous vous casse, nous vous brise, nous vous libère nous-mêmes. Nous ne dit pas que ce qui dit mon Dieu, ce qui Jésus-Christ dit dans sa parole pour dans la vie. Amen. Toi, tu vas pas arriver, Dieu dit, on a un projet de bonheur pour ton nom de malheur, pour nous donner l'avenir et l'espérance. Qu'est-ce ce qu'il a pu dire? Dieu dit que la lumière soit la lumière plus. Si Dieu veut dire la lumière soit, si Dieu veut dire qu'il te prend une bénédiction, il peut arriver parce que Dieu, sa parole, il est réel et il peut arriver certainement. Amen. Vous comprenez-moi? Amen. Maintenant, la première chose qui va vous partager, il ne faut pas se faire dans ce placard avec cause, quelque chose négatif qui vous capable de détruire ou foyer ou la vie ou la paix dans votre travail. Si vous avez besoin de manger un tingam, vous êtes à basi là, vous êtes à tingam dans la case. Arrêtez de causer. Si vous avez besoin de masque ou mot ou masque poski, li pour affecter ou la vie personnelle. Amen. Oh oh. Frère, qui vous dire? Non, mon vie, ouvrez la Bible, ouvrez la Bible. Nous allons dans l'Écriture, puis la Bible dit. Nouvelle des trois versets. Le livre de Matthieu 12, verset 36.
Matthieu 12, 36. Holy Spirit, God. Matthieu 12, 36. Une galise de témoignage. Vous voulez le souligner ça aussi? Soulignez. Parce que c'est Jésus-Christ qui dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront dit. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Pas moi qui dis ça. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Porte parole, prenez une souk après le jour du jugement. Toute ma parole, vous aussi dans sa contexte, ça vous êtes capable de comprendre. Toute parole, n'importe ce qui vous est capable de dire, ou vous pouvez rendre compte à tout ça, ma parole-là. Ça veut dire les petites choses, Adam, qui peut vous dire. C'est-à-dire le pouvoir de la vie, de la mort, il faut vraiment nous la rendre. Et moi, vous demandez une petite chose aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Pour rendre compte tout ma petite chose, ce que vous pouvez dire. Si vous pouvez dire un petit chose pour détruire la vie d'un petit monde, vous pouvez rendre compte pour ça. Vous pouvez nous donner un petit moment. À cause de ça, la Bible dit, tout ce qui vous s'aimez, vous pouvez écouter. Vous êtes même? Il y a un verset qui m'a extrait dans mon portail avec eux. Ça arrive un moment, Pierre, dans le jardin de Gethsemane, il m'a appelé avec Jésus, il prend une épée, il taille les oreilles d'un serviteur. Ce nom était Marcus. Jésus-Christ dit à Pierre, ramasse ton épée. Parce que ceux qui vous servent l'épée pour périr. Il fait un pèse. Moi, comme on est inversé dans mon épée. Si vous pouvez refaire dito à Dimon, ça dito là, vous pouvez tourner en vélo. Amen. Si vous pouvez penser pour faire une mauvaise chose, tout ça là, vous pouvez tourner en vélo. Mais on fait cause aujourd'hui de ma vaine parole qui nous prononçait. Amen. Et qu'est-ce que la Bible qui dit? La langue a content battu. Mais si tu récit qu'on contrôle, tu contrôles tout de l'écho, le livre de Jacques, chapitre 3. Et ils ont dit, c'est ça l'enfance qui m'a fait envie de causer. Beaucoup d'entre nous nous causent beaucoup de mal petites choses qui n'ont pas besoin. Aïe, ça s'allait là, mais tu et moi. Mais vous mort. Réalisez ce qu'on dit. Mon plainte pour la vie, mais qui te l'est? Réalisez une parole qui nous bise. Écoute-moi. Moi, puis Jésus t'a serré. Quand c'est lui, non. Nous bise à prendre, bise à prendre. Pareil comme un enfant, il apprend à manger. Qui vous fait? Vous avez dit beaucoup de manger. Longtemps, ou un enfant fait mais ou vini, vous pouvez manger dans la table pour se délamer et mettre à la partie. Là, là, qui vous le faire? Papa, maman, la vie, dès que ma folie, va te faire ça, mes enfants. Quand vous faites ça, écoute-moi, te voici de société. Dis-moi qui vous dire, faut les battre. Tu as besoin de prendre une cuillère, de manger, dites ça, ça n'a pas besoin de cuillère, c'est une poussée, c'est un couteau, couteau pour croire que là, ce qui nous fait, on est là. Il montre les livres, c'est un qui peut montrer ce que tu dis. Chrétien, personne pendant 5 heures qui sait, il y a une vénère mortelle. Si vous ne pouvez pas contrôler, il faut contrôler. Réalise bien profond qui m'obéit à ce que je dis. Ça même la langue là, ça même la langue là. Seigneur, me louer toi, moi adore toi, me glorifier ton nom. Ça j'ose. T'as qu'à quel dimanche tu vas passer là. Comment dans une seule la rivière, il y a de l'eau doux et de l'eau salée. Il y a une seule de l'eau. Pas moi qui dis ça. La finition de chaque chapitre 3. Mon fourrage, aïeux, frère, mon parti connaît. Mais oui, moi, mais la vie, mon parti connaît. Tout le monde peut bien apprendre. Mais aujourd'hui, c'est le jour qu'ils ont pu apprendre qui chose. Oubliez le passé, frère, mon parti connaît. Allez, faire comme on dit dans le passé, nous, je peux faire quelque chose. Ok, le parti connaît causer, le parti connaît faire quelque chose. Mais maintenant, nous, bien apprendre. Nous, bien apprendre. Et c'est ça qui nous peut montrer aujourd'hui. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui se parole qui peut envie en saint je connais qui je peux bien causer. Je t'amène pas servir et dans une modération d'un usage de ce que je vais faire. Dans quelle ville, je ne vais pas vous faire vous verser là.
Mauvais, comment on peut former ça à mauvais pratique? Tu ne peux pas enseigner une cause. Tu? Non. Non, il n'y a pas connu. Tu es obligé d'apprendre ce qu'a dit Christ et tout. Tu n'es pas d'accord, moi, je suis d'accord avec moi. Proverbe 4, verset 24. Vous avez gagné? Amen. Après, moi, nous finissons le verset des livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Moi, je dis avant. Proverbe 4, le verset 24. Écarte de toi la fausseté de ta bouche et la fourberie des lèvres et loin et pas de là. Dans une version, qui lui dit? Dans une version. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres, quelque chose qui va bizarre. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Père, des savants du monde dans les mondes, ça. Ok. Paul fait adresse une lettre à une église. Et l'église, là, selon, c'est l'église des fêtes. Qu'est-ce qu'il dit à un chrétien? Éphésiens 4, verset 29. Vous êtes pareil? Vous pouvez vous terminer, un petit moment. Éphésiens 4, le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous êtes la même? Suivez-moi. La Bible claire, elle nous montre nous qui ça là l'anglais nous vient connaître comment pour battre. Moi, je finis expliquer au nom de Jésus-Christ qui première quelque chose comment nous vient cause la parole de la vie. Moi, je finis expliquer qu'il a l'autorité dans sa parole là. Quand vous cause négatif dans mon avis, définitivement des choses pour une négative. La deuxième question, moi, je finis montrer qui faut pas nous faire, faut pas nous faire, faut pas nous cause, man causer n'importe ou quelque part pour blesser dans le foyer. Dans la vie au verre de mes enfants, mais nous causons une cause qui nous l'a là, il prouve. Le livre de Jacques, chapitre 3, dit, pas capable de louer mon Dieu, et dans sa même la langue, nous maudit des gens. Sa la langue, vous êtes droit. Si nous récits contrôlés, la Bible dit, nous visons apprendre à contrôler. Si nous récits contrôlés, qu'est-ce que la parole veut dire? Nous qu'à contrôler, nous les causons. La lame, il comment dire, un feu dévorant. Il comment dire, un divet qui vient dans la forêt. Un petit divet capable d'amener un grand divet. Si nous contrôlons, il peut être une bénédiction pour nous pour la vie. Le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il dit qu'il n'a pas sorti de nous la bouche aucune parole qui n'est pas nécessaire. C'est la même? Oui. Qui n'a pas sorti de nous la bouche une parole qui n'est pas nécessaire. Mais une parole qui peut édifier nous. Nous avons besoin de dire que tous les dimanches, quand l'église peut finir ou quelque part, on va connaître vos besoins de l'île et tu peux vivre une grotte. Avec moi, tu peux vivre une grotte. Tu peux vivre une grotte. Qui tu veux? Tu as essayé de faire la crème. Mais tu as le dialogue là. C'est ça que tu peux trouver. Fais-moi dire que tu peux vivre une grotte. Fais-nous affaire. Tantôt qu'on m'a dit, pour vous servir les fêtes. Tantôt ça vient qu'on veut dire, mais quand on peut rire aux camarades, après des mois, on m'a dit, bah, j'ai rire. Fais attention. La Bible claire là-dedans. Tout ce qui nous besoin, man, dimon, nous permisons édifier, dimona, pas cause non, yé négatif. Dimona, malade, il fait que sur l'hôpital, il peut faire des efforts, il peut vivre l'église. Comment il vit l'église, moi, il m'a dit, à la fête. Mais dis-moi pour votre vie l'église. Dieu, au moins, mettez un bon guichet dans la bouche. Et que me fait un peu c'est faux. Mon content. Et que t'es pas fait non rien. Waouh, qu'est-ce que t'as mis une boule boule. Je te l'amène. Amen. Parce qu'il ne faut pas une petite chose qui sortit. L'île met un gypsum et qu'elle s'est mise rouge. Pas fait non rien. Dieu, il est joli. Amen. Qui connaît sa dimonette sur la casse, c'est non. Pas connaît qui circonstance il peut passer. Mais où faites-vous les voir? Donnez-vous une bonne chose. Vous êtes la même?
Que tout ce qui sortit de nos bouche, il vient édifier. C'est amen. Parce qu'il se pour décourager ton camarade, moi il a une bien mauvaise nouvelle pour toi. La Bible dit, on l'épée de servir, l'épée, on l'épée la même tout le monde. Pas moi qui dis ça. Je te peux faire refaire du monde du tort expressément. Ça pourrait tourner envers toi. Parce qu'il est écrit, jette ton père à la surface de l'eau avec des tangos de ton Dieu. Si tu ne sais pas mauvais, pas tant bon. La Bible dit, tu as parlé de fruits, de ma pied, c'est fini, et de ma chambre. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui s'a la langue à l'examen sacré pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Visez sanctifié. Si vous n'êtes pas capable, le livre de Jacques, chapitre 1, il dit, si vous manquez de sagesse, demande le Père qui est dans les cieux, il vous donne toi avec l'abondance. Demandez, il vous donne. Dieu donne. Vous êtes amen. La deuxième chose, c'est qu'il me tient envie, et on vous termine là, on pouvait être traversé par rapport à cela. Mais il y a une petite chose, vous pouvez être franc avec eux, au nom de Jésus-Christ. Comprends-moi qui m'a fait retirer ça. M'a fait cause du contexte mauricien. Maurice est un grand problème, et m'a fait dire ça pour que l'Église soit capable d'être avertie. Je vais prendre l'exemple. Si je tiens là pour presser un message dans l'Amérique, premier message qui me dit pour presser dans l'Amérique, c'est l'unité. Moi, je vais causer comme ça. Qui fait? Mais ça, quel personnel là-bas? Chacun dans son travail, personne n'a rien d'autre quand on vient de l'église, chacun vit sur l'église. L'église a tellement grand, une assise là-bas, l'autre là, une assise ici. Premier message, si vous tiens là par l'Amérique, vous pouvez j'aime dire, précinité, qui nous a content, nous frère, nous sert comme Jésus-Christ qui est content. Nous donne un contexte, on peut expliquer ça un contexte. Mais l'île Maurice est un contexte qui est vraiment important qui m'en vivre aux Américains. Maurice est un latin grain qui mange la vie du monde, qui n'en fait ça pas là. Et un latin grain dans la vie de ma Mauricien. Et Dieu peut permettre qu'il m'observe un antibiotique, me dit ça. Qui ne se soit pas au milieu de nous pareil. C'est un même. Pour prendre l'exemple, il y a un petit monde qui a pas fait par une circonstance difficile. Ses enfants n'est que pas. Tout petit monde. Un petit moment, vous trouvez des bonnes poules et bonnes bonnes. Un petit moment. Et il y a du monde un ministère téléphone dans l'humoriste. Un nouveau ministère. Vous voyez ça dans la vie. Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, qui était ça, pas reconnu. Et là, un problème est arrivé. Vous connaissez qu'un jour qui pourra arriver, vous, ça, dedans, vous sentez ça le poulet. Le jour que tu supposais, on vit quand même quelque chose qui vraiment dire pour vous, ou tu as du monde qui arrive, ça, vous connaissez, et où, vous pouvez dire, vous pouvez dire tout là, vous pouvez dire comme ça. Et quand vous pouvez dire de ce lycée, vous pouvez finir dire tout ce que vous connaissez. Qu'il ne soit pas dans la maison de Dieu. Si vous visez un contrôle pour la langue, arrête de faire. Arrêtez, appelle ça un péché qui nous appelle le calomnie et la médisance. Calomnie, c'est vous cause mal contre un démon. Médisance, pardon, c'est vous cause mal contre un démon. La calomnie, c'est qui vous peut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Arrêtez. Vous n'êtes pas. Et vous pouvez être franc avec nous. Dans 10 ans, Maurice, il y a un tisé comme ça. Dans ce 10 ans, il y a un 10 ans. Oui, mais il y a un 10 ans qui lave tout manzer. C'est le sang de Jésus-Christ. Si vous appliquez dans vos 10 ans, il vous lave. Amen. Il y a une boule, madame, tu fais ça là. Il vient à me, madame, tu vois. Il la pèse. La pèse. Amen. Il y a un peu qu'il faut qu'il la pèse. Il vous nettoie 10 ans là, c'est qu'il faut. Donc, quand même, arrêtez ça. Moi, mon petit, je viens de faire une partie content. Mon cause, ça, comme ça, mon mettez 3 versets, je termine. Je suis parti content, un démon, il y a un problème dans ce la vie. Mais tu peux faire que ça y est, tu peux sortir répétition. Tu peux faire ça qu'un rire, mais moi, pour expliquer l'efficacité quand tout le monde unit et peut n'en parler. Longtemps, fait que ma dit à l'époque, moi, mes petits enfants, fait que ma dit à mon petit content, c'est lui. Moi, tu peux retraper cela, mais aussi, mais si un voisin qui n'a pas connu trouve ça, il sortit un bague, il faut qu'on lui rien sou. Après, prends un autre, pour vous savez, amène ça ou la case et dire aux parents, il y a tout petit qui peut faire. Et parents là, pour retraper, pour rien sou encore. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Maintenant, qui est arrivé? Laissez aller. Hein? Laissez aller. Deuxième. Donc, l'aspect résoudre le problème pour mettre ensemble. Et tu vas prendre les tapis. Arrêtez! Amen. Et à l'île Maurice, au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, me liez ça à l'Esprit. Pas là. Amen. Moi, t'as fait.
Et ça vient arrêter ici au nom de Jésus. Amen. Personne ne va comprendre. Mais vous allez prendre l'autorité, l'eau qui sur ça. Amen. Et je connais moi l'idée que moi j'aime prendre l'exemple. Nous tous dans l'église ensemble. Nous bien l'armée, nous venons, nous trouvons du monde dans le défaut. Nous nous rentrons dans le bus, nous riez, nous louer, nous adorer. Quand on peut retourner la case, il y a un défaut, nous pouvons se proposer quoi. Mettre l'idée côté louer, adorer, retourne la case. Ce qui dit monde ne peut pas casser la tête. Ce qui Dieu dit, c'est ça qui est important. Amen. Parce qu'on a lavé, on est tourné, personne ne peut pas causer, personne, tout le monde ensemble, les là qui pourraient avoir un signe, un miracle, un prodige, pour dire sur la gloire pour descendre, parce que c'est mon feu. Sur qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, détourne de cette mauvaise voix. Moi, l'éternel, mon prie, écoute des cieux, mon prie. C'est ça. Vous faites ça, les cieux là. Vous descendez pour la gloire. Amen. Il arrive l'air. Si vous pouvez me dire quelque chose, mon Seigneur, c'est à l'église, au nom de Jésus-Christ. Peux-tu me dire, hé, fermez de la bouche. N'a pas pu vous en moi. Tous tes oreilles, vous n'aurez pas un poubelle même des minutes. Oui. Mon garde un principe bien personnel. Pour moi, mon garde dit pour moi, mon vie porte à ça avec eux. Mon garde un principe bien personnel. Mon pas vous d'alcool, nous a fait mon camarade. Et dit mon qui cause en moi, et mon ami spirituel, mon pas les nerfs qui dit mon cause. Mon franc. Si vous pouvez trouver des passes aux limites, tellement vous connaissez. Gentiment, vous êtes connu, vous m'avez crié en personne. Vous connaissez frère, vous sentez à l'eau. Oui, tu ne connais pas, mais en fait, c'est tout. Excellent à l'eau, et vieille, mais d'un côté. Sa lame-là, vous êtes préparé quand Jésus-Christ retourne. Qui connaît, on peut mettre deux nos oreilles. Je vais prendre l'exemple, vous capable de dire dis-moi, là, vous pouvez mettre bonnes choses. Si ça fait bonnes choses, vous acceptez ça, Jésus-Christ, de l'Union Westland. Non. Assez. Qui ça la langue là, il part moitié des hommes qui louent mon Dieu, il loue mon Dieu, un point, c'est tout. Amen. Bizarre, pas, beaucoup d'efforts, bizarre faire. Tous les jours, bizarre donner un coup de moto, corrige les mettre dans la bonne voie. Vous êtes en même, nous regardons la Bible, pour terminer. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques. Le chapitre 1, le verset 26. C'est qu'il y en a plus souligné ça dans notre vie. Il y en a deux fois, c'est merveilleux ce que le Saint-Esprit révèle. Et je prends le cas de dire comme ça. Vrai, tu es là dans la Bible, ça? Oui, il est là, il dit. Mais vous devez le Saint-Esprit ouvrir les yeux pour le cas pour lui. Amen. Jean chapitre 1, le verset 26. Jacques chapitre 1er, le verset 26. Tu peux terminer un petit moment là. Merci Père. Jacques chapitre 1er, le verset 26. Je gagne, je dis moi amen. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, si quelqu'un a envie d'éclater dans une religion, pourquoi on ne pas prendre religion, pourquoi on est dans le contexte pour tout le monde. Si un dimoun redéclare dans mission, vous prenez comme ça, vous pouvez toujours faire comprendre. Si un dimoun redéclare qui est dans mission, sans qu'il ait à tenir sur la langue, comme un bizarre. Regardez qui dit. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est en train. C'est-à-dire tout ce qu'il peut faire, sourire expression, gaspillage. Pas moi qui me dis ça, il écrit ça dans la parole de Dieu. Et la Bible peut dire à nous, si nous, un enfant, bon Dieu, dans la présence, bon Dieu, si nous ne pouvons pas continuer ça, la langue là, et qu'on garde en l'efficacité qu'on a besoin de garder, c'est qu'il ne peut pratiquer rien là. Et à partir de ce dit, que Dieu est capable de trouver une église qui peut unir, sans en rien, écoute-moi. Vous ne pouvez pas prêter ce message-là à cause de quelque chose. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ, vous connaissez tout correct là. Mais bizarre enseigner, enseigner, on n'a pas capable de sortir là, bizarre comme ça. Amen. Qui m'a préféré là? Nicomadien, on a tassé des gros pétards en visette avec eux. Tu peux descendre à des boules là, tu peux descendre à des boules. On met des pétards en visette, on a un peu plus bien. Amen. Et qui connaît ces endormants poison qui est dans notre la vie? Qui peut bloquer de bénédiction qui Dieu est là pour déverser dans ta vie. Vous êtes avec?
Et aujourd'hui, je compte ça avec eux. Je termine. Mon foyer connaît dans les fois qui nous tient. Mon papa, ma maman, qui dans les fois qui nous tient, mes enfants. Des fois, nous disons tout ça, tu vas te prouver ce bourrique. Mais c'est ce qui te dit, ça ne va pas arriver. Que ce bourrique soit et ce bourrique fût. Arrêtez. Et dans les fois, nous gagnons. Écoute-moi. Je cause un contexte pratique. Beaucoup de fois, nous restons enfants, nous causons quelque chose de négatif. Arrivez ça. Nous tous, nous sommes humains. C'est pas arrivé, ça. C'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Nous tous, dans les fois, nous sommes capables de faire une colère. Mais c'est pas qu'on peut prier tant que répandu, brise sa parole. Amen. Arrivez ça. Tellement les fiers, ok. Mais on t'appelle ça, nous, on commence à rincer. Quand on rincer, on a dit, il y a des trois petites choses qui ne sont pas bien. Mais quand on va prier tant que brise tout ça, ma parole là. Répandu, et la Bible, il y a toi qui te parle de cette colère. Qui te va à dormir avec le collègue. Non, libère-toi. Ok. Nous visons prononce ma bénédiction. On va terminer ce qu'il nous pouvons faire maintenant. Là, nous pouvons mettre debout le frère Jérôme pour capable de nous. Nous pouvons prier et nous pouvons dire à Dieu, nous pouvons faire nous l'équerre, ma bénédiction pour prendre place. Nous pouvons faire nous l'équerre, nous pouvons dire Seigneur, apportez aujourd'hui qui sont capables de servir la langue pour une bonne cause. Seigneur, vous prononcez ce qui nous pouvons faire, nous prononcez ma bénédiction dans nos propres vies, dans la vie de nos enfants. Et ce qui nous pouvons faire aussi au nom de Jésus-Christ, qui tout ma mauvaise parole qu'il prononçait contre eux, nous avons anéanti ça. Libère eux aujourd'hui, le passé c'est le passé, coulou qui en termine sur la croix du calvaire de Jésus-Christ. Et retour à la bénédiction qui Jésus-Christ nous donne. Le coup de la tête, le Dieu Dieu merci. Papa. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour.